Au nom de la présidence, je vous remercie tous pour l'ampleur et la richesse de vos contributions, ouvrant ainsi des perspectives prometteuses pour l'évolution de nos pratiques. Je ne sais pas qui bonne pratique, notre caisse. Pour l'évolution de nos pratiques, que nous nous efforçons d'améliorer sans cesse depuis notre création en 1993. En 25 ans, nous avons réalisé près de 50 établissements médico-sociaux, créé des filiales qui emploient près de 3200 collaborateurs. Certes, nous avons progressé, mais nous sommes toujours à la recherche de l'excellence médico-sociale. L'excellence médico-sociale. On n'est pas sur Terre pour créer du préjudice, on est sur Terre pour créer du mieux. Et c'est ce que ADF Résidence tente de faire, tant bien que mal, pour les personnes vulnérables qu'elle accueille, qu'elle accompagne. Et pour cela, peut-être péché, mais pour cela, nous avions d'abord compté sur l'efficacité des organisations. En devenant, et on en était fiers, en devenant un spécialiste de la modélisation du fonctionnement des EHPAD. Nous avons ainsi rédigé plus d'un millier de procédures, protocoles, modes opératoires, en voulant créer, en quelque sorte, un modèle, un process d'industrialisation de la production des prestations médico-sociales. Mais notre exigence de recherche de sens nous a conduit, il y a 10 ans, à réinterroger notre modèle d'entreprise, en tout cas, le modèle d'entreprise que nous imaginions au début de notre activité. Et nous avons réalisé que toute organisation, aussi fine soit-elle, aussi sophistiquée soit-elle, ne pouvait pas répondre. C'est évident maintenant, mais ça n'était pas au début de notre activité. Ne pouvait pas répondre de façon digne et respectueuse à tous les problèmes posés par la complexité humaine. En effet, notre fonctionnement rigoureux, même s'il offrait, et ça c'était indéniable, même s'il offrait un cadre rassurant et sécurisant, n'était pas d'une efficacité sans faille telle que nous la souhaitions. Il dérivait vers la rigidité, la lourdeur, celle qui étouffe la réflexion initiative, qui brouille les repères de sens, qui crée des indications contradictoires constituant un frein à la prise de décision les mieux adaptées à l'accompagnement de chacun. Il s'est agi alors de redonner une juste place aux organisations et de lutter contre notre réflexe systématique de normalisation, en se rappelant que l'organisation n'est pas et ne doit pas devenir une fin en soi. C'est-à-dire trouver le juste équilibre entre rigueur organisationnelle, autonomie décisionnelle des équipes, éveiller les consciences, donner du sens, trouver un sens pour des décisions d'accompagnement adaptées. Il nous a fallu, par exemple, passer des critères, en quelque sorte, aux repères de sens. Passer des normes aux valeurs, en un mot, lutter contre les excès de la normalisation. Et c'est en cela que la démarche éthique initiée par Alain Griffith dans notre entreprise associative et diffusée dans toute association nous a aussi aidés dans nos pratiques sur des sujets tels que, et on l'a dit à plusieurs reprises dans plusieurs de vos interventions, ne pas penser à la place des personnes que nous accompagnons, pratiquer l'écoute, pratiquer pratiquement l'écoute existentielle des personnes, veiller au respect des choix, des droits, des libertés des résidents. Le questionnement éthique nous a également amené à nous réinterroger sur la mission des établissements médico-sociaux et même sur leur raison d'être. Que comprendre de la réalité vécue par les personnes très âgés et lourdement handicapés? Comment maintenir le lien social? Comment créer les conditions d'individuation des personnes? Comment améliorer le bien-être des professionnels? Je voudrais également évoquer la question de l'EHPAD de demain, qui, de nos points de vue, devrait évoluer
vers un pôle territorial de santé et de soins et d'aide aux personnes. Alain Président est convaincu que de nouveaux enjeux portant sur un accompagnement global, gradué des personnes à domicile, dès les premiers signes de perte d'autonomie cognitive et ou physique, nécessitent une évolution du rôle et de la place des EHPAD dans leur territoire. En effet, et on l'a vu également, ça a été signalé à deux ou trois reprises que j'ai captées dans les interventions de cet après-midi, que la majorité des accueils réalisés par les EHPAD s'effectuent dans des conditions difficiles pour des personnes âgées qui, trop souvent, sous la pression des circonstances, sans préparation, sont orientées, voire projetées, dans des institutions subissant une rupture brutale avec leur environnement. Par ailleurs, les services d'aide et de soins à domicile et d'autres prestataires paramédicaux qui interviennent de façon trop souvent mal coordonnée à des coûts élevés lorsque les fréquences d'intervention augmentent. Les progrès en termes de prévention, de qualité, de mutualisation des moyens et donc d'optimisation des coûts devront être réalisés. Pour cela, les EHPAD devront déployer des projets, dans la logique de parcours, des projets personnalisés pour un accompagnement global, continu, du domicile à l'EHPAD, lorsque c'est souhaitable. L'entrée sera ainsi mieux préparée, avec une continuité relationnelle des soignants, domicile, institution, ou, lorsque cela est possible, un accompagnement de type EHPAD à domicile, des personnes jusqu'à leur fin de vie. Ça ne peut se faire que dans une politique territoriale. Moi, j'y crois ardemment. De nouveaux défis, mais j'attends donc. Certes, dans les établissements médicaux et sociaux de demain, la numérisation, l'arrivée des nouvelles technologies seront facilitantes, à n'en pas dénier. Mais plus que jamais, l'approche éthique, la question du sens, devront nous guider vers plus d'humanité, devront guider l'évolution de nos pratiques professionnelles et institutionnelles vers plus d'humanité. Il est de notre responsabilité d'être au plus proche des réalités humaines. Je pense que vous l'avez saisi avec l'organisation de ce colloque. Et dans cette perspective, ADF Résidence a pris la décision cette année de créer un fonds de dotation pour la recherche dans le secteur du médico-social, qui sera présidé par le professeur Alain Greenfeld. Ce fonds va engager des travaux de type recherche-action sur des thèmes fondamentaux qui n'ont pas encore été travaillés par le secteur de la recherche. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de communiquer à ce sujet dans les prochains mois. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce premier colloque du comité d'éthique d'ADF Résidence, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures vertueuses.